Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sous l'épisode 2 Elite Dangerous Horizon en 2.1, pardon, faut que j'arrête de dire bêta. Hop, on remet les réacteurs pleine puissance, plein pot, chers amis, et on va se diriger dans un système qui potentiellement peut, entre guillemets, contenir, peut posséder différents astres sur lesquels nous pourrons atterrir et qui seront riches en métaux. Et donc si je fais ça, chers amis, c'est pour trouver un maximum d'arsenic. Sauf que, donc dans HIP 114099, qui est juste à côté de nous, nous n'avons aucune donnée. Il me semble avoir entendu qu'on pouvait aller scanner directement une balise de navigation pour avoir toutes ces données. Et je pense que ça pourrait être sympa. Destination cible masquée, forcément. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais déverrouiller... Hop, notre ami HIP. C'est parti, on va booster un coup. Hop, le vecteur d'évitement, il est juste là. C'est parfait. On y va. Et on va se laisser accélérer, histoire d'éviter le... Ah bah c'était bon, c'était verrouillé. C'est parfait. Pleine puissance, monsieur Zulu. 2 km seconde, c'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. Ok. C'est parti. 3, 2, 1, engage. Pow! Bon, c'est bon, on y est. Ok. Ok, ok. Et donc, sur cette planète riche en contenant normalement, potentiellement, beaucoup de métaux, on devrait pouvoir trouver de l'arsenic assez facilement. Je me suis toujours, comme toujours, un petit peu renseigné avant. Hop, où est-elle? Où est-elle? Non, on peut donner un petit coup de détecteur quand même, si on veut. Aucun nouvel objet astronomique découvert, c'est dommage. Une information en détail, j'imagine, bien sûr. Je sais pas si ça va marcher. C'est un essai, chers amis. Si ça ne marche pas, c'est vraiment dommage. Si ça ne marche pas, c'est vraiment dommage. L'avantage du système étant qu'il soit aussi chez la Fédération. Après, si ce n'est pas utile, on ira ailleurs. Alors. On verra bien. Normalement, je la scanne. Et j'ai plus d'infos sur l'intégralité du système. Normalement. Je dis bien normalement. On verra bien. Alors. Si ce n'est pas le cas, on ira dans un autre système. Et on fera la recherche ensemble. Je puisse vous montrer comment on fait. Voilà. Analyse en cours. Alors, est-ce que techniquement on a plus d'informations? Voilà, on a beaucoup plus d'informations. Et c'est tant mieux. Carte du système. Vous voyez que ça marche très très bien quand même. Hein. C'est pas mal fichu cette histoire. Alors. Situation. Hop, voilà. Alors, moi j'aimerais des informations sur la planète en question. Je suis scanné au passage. Monde rocheux. Monde glacé, dommage. Nous n'avons donc pas le... Ok, c'est en train de me juger. Donc on n'est pas au bon endroit. Véritablement dommage. Donc, carte de la galaxie, qu'est-ce que j'ai fait, chers amis, exactement moi? Bah tout simplement, j'ai filtré ici, par économie, par exploitation minière, raffinage et terraformation. C'est ce que je mets moi habituellement. Maintenant on peut aller voir ailleurs, hein. Vu le système disponible, aucune donnée, d'accord. Aknango, on a des données apparemment, on peut aller voir. Monde très riche en métaux, c'est exactement là qu'on va, chers amis. Parfait. Et je vais même y mettre, normalement potentiellement, un truc. Favoris locaux, oui non, c'est pas les locaux qui m'intéressent, c'est surtout favoris en règle générale. Hop, modifier.
arsenic potentiel. Voilà. Parfait. Et donc c'est là qu'on va, chers amis. On y va. Hop. Chargement. Pleine puissance. Et on se dirige vers cette planète. Oula, je tire sur le câble. Ah, donne-moi mon casque. Merci. Bon, bref. Ah, c'est par où? C'est par là. Non, pas dans le soleil. Enfin non, pas dans l'étoile. Faut pas dire soleil. Soleil, c'est le nom de notre... Enfin, c'est le nom de notre étoile. Allez. Nous, on se dirige de l'autre côté du soleil, malheureusement. On fait le plein au passage, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, tant qu'à faire, tant qu'à faire. On a une bonne trentaine de secondes, je dirais. Bellement. Peut-être une minute. On va voir si à 26 et 45 secondes, on n'y est pas. Tu vois, si on n'est pas autour de la planète. Alors, nous allons viser les cratères, chers amis, parce qu'apparemment, les cratères, en fait, sont des ressources, sont des lieux de ressources. Donc, ça peut être très intéressant pour nous. On va aller chercher tout ça en SRV. De la même manière qu'on l'a fait dans la précédente vidéo. Et normalement, on devrait tomber sur... Alors, attention, je vérifie le nom. Des météorites métalliques. Et là-dessus, on trouvera de l'arsenic, du tungstène, du niobium, du sélénium et enfin du zirconium. Faut l'espérer en tout cas. Bon bah finalement on aura mis un peu plus d'une minute hein. Mais bon. Mais bon, mais bon. Alors. C'est ici. On y arrive. En espérant que la surface sur laquelle on va être, la zone sur laquelle on va être, va être intéressante. Potentiellement il y a une étoile, donc on va essayer de nous recentrer. C'est marrant, il n'y a pas d'étoile. Ok, on va considérer que ça va être bon de ce côté-là. Oh là, il y a des choses cette planète. Là, il y a un gros cratère par exemple, vous voyez. Ça, normalement, c'est plutôt bon signe. Ok. Allons-y. Il est gigantesque. Il est absolument gigantesque ce cratère. C'est là-dedans qu'on va. C'est là-dedans qu'on va. À l'heure. La gravité est assez importante cette planète, j'ai l'impression. Ce qui, je l'avoue, ne me plaît pas. Hop, descente terminée. La gravité est de 0,3. On a connu bien pire, chers amis. Mais c'est quand même pas mal. De mon point de vue. Lumière. Je vois pas grand chose au sol, cela dit. Hop. Poussons dans cette direction. Je ne vois pas grand chose au sol, cela dit. On devrait pouvoir trouver de toute façon, à mon avis, hein. Si je suis les conseils qu'il y a sur internet, normalement dans les cratères c'est toujours ce qu'il y a de mieux. On verra bien. On est à 1,5 km d'altitude. Et le sol est pas sympa.
Il y a des choses sympas au niveau du sol, hein. Déjà, je crois que je viens de voir déjà 3 ou 4 fragments sympas, là. Je me trompe peut-être. Non, non, je me trompe. On va essayer de se poser dans le coin. Ça va être compliqué. Là, ce serait pas mal, là, devant, là, juste devant. Oh, arrête! On était pile poil au bon endroit. Là-bas. Non? Oh, tu vas pas me dire que c'est pas possible ici. Là, je vois une surface à droite, derrière nous, légèrement derrière nous. Si on peut s'y coller, si on peut s'y poser, ce serait vraiment sympa. Là, par là. Dommage. Peut-être là devant là. Allez, fais pas ton difficile. Fais pas ton difficile. On devrait être en mesure de le faire là devant là. On l'a eu, hop, touche plus. Tu bouges plus, Marcus. Oh non. Hop, on y est. Oui, on a réussi. Déployons le SRV. Je crois qu'il est déjà touché en plus le SRV. Je l'ai pas fait réparer. Peut-être une erreur de ma part là. On a peut-être une erreur de ma part. Non, c'est bon, il est réparé. C'est niveau carburant qu'on en a peut-être un petit peu pris dans le nez. Ok, on y va. Bon, il y a des choses par là. Alors, on va voir si tout ça s'avère vrai. Aïe. Oh, tout ça à cause d'un caillou. Ok, c'est par là. On s'en approche. Doucement mais sûrement. Pas par là que je l'aurais imaginé. Et on est clairement dans la bonne direction. Ok. Ah, y a plus qu'à croiser les doigts, chers amis. Et serrer les fesses. Vous voyez que c'est le petit bout devant là? Non. C'est par là en tout cas. C'est par là. On n'a jamais été aussi proche. Ce serait la petite au sol? Non, je pense pas. Trop petit. En tout cas, ça se précise. Attention à ne pas la dépasser, ce serait stupide.
Là, ce serait la grosse là. Ouais, c'est ça. Oh! Nous l'avons, affleurement. Je crois que les affleurements, c'est pas ça. Phosphore, phosphore, phosphore. Fer, carbone. Donc ça, c'était pas ça. Hop. Si je peux faire ça bien. Hop, aspirateur. Hop. Bah alors, qu'est-ce qui m'en empêche? Ah. Hop. Ok, on a eu tout. Plus qu'à trouver un autre spot. Alors, il faut savoir que c'est quand même assez rare, chers amis. Hein. Ils sont quand même assez rares, ceux-là. Ok, on y retourne. Je vais juste, par principe, renvoyer le vaisseau. Par principe, renvoyer le vaisseau. Oula. Ok. C'est assez loin tout ça, hein. Alors, on n'a pas de bol. Alors, on va rouler dans une direction, puis attendre. Ok. On a amorti. Là, on a quelque chose. Tombe bien, on est dans une ligne droite. Alors, je croyais qu'on avait quelque chose, mais apparemment c'est très très léger. Et ça a disparu. Ok. Hop, nous sommes sur nos roues. Parfait. Rien dans le coin, au passage. Peut-être quelque chose par là. Non, même pas. Ok. Alors, on est censé dans un monde riche en métaux. Possible que je me sois planté. Des choses sur la droite. C'est de là qu'on vient, regardez, on vient de faire une ligne droite, un demi-tour. Oh là 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 là. Catastrophe. Catastrophe. On va par là. Je vois des roches, on va peut-être pouvoir trouver quelque chose dans le coin. Alors, tu vas me chier quelque chose ou pas? Signal. Signal droit devant, on y va. Ok. Allons-y, allons-y, allons-y. Des choses droit devant. Plutôt bon signe. On va allumer les phares.
Il y avait un truc à gauche. Je suis pas le seul à l'avoir rêvé, il y avait bien un truc à gauche. Bizarre. Là c'est assez plat, je vais me permettre d'accélérer. Il y avait bien un truc sur le radar. Ah, nouveau bruit. Sur la droite plutôt. Aïe. Ok. Faites que ce soit pas un affleurement. Plus sur la gauche. Ok. S'en approche. S'en approche, s'en approche. Quelque chose devant nous encore. Encore un affleurement, pardon. Technétium. Je sais pas ce que c'est. Soufre, manganèse. Et enfin, si j'arrive à voir ce que c'est le dernier. Manganèse aussi. Allons-y. Hop. Zirconium. Allez. Fer. Technétium. Je sais pas ce que c'est que ça. C'est bien ce qui me semblait. Par là on a quelque chose. Ok. Donc il y a bien des choses sur les radars des vaisseaux à mon avis. Bonne direction. Je m'en sers pour freiner. Un autre affleurement malheureusement. Quand on n'a pas de chance. Hop, excusez-moi, je fais du caca. Carbone, carbone. J'avais un bouton normalement pour lancer la commande là. Voilà, la voilà. Je voulais voir ce que c'était que ça. Hop, carbone. Fer. D'accord. Je voulais juste voir ça. Hop, je peux rappeler dessus. Ok. Oh, recule. Hop. C'est vraiment compliqué de récupérer tout ça. Il devrait mettre des bras en fait. Le scarab devrait avoir des bras récupérateurs. Ça serait tellement plus simple. Ok. J'ai l'impression de venir de par là, ça qui est chiant. On va passer par là. Je vois un trait, il y a un tout petit trait devant. Là par là il y en a. Allez, on y croit chers amis. On y croit, on y croit. Carcass retracted.
y croit, on y croit. Allez. Aïe, le caillou. Là, il y a quelque chose. Alors... allons-y. Il y avait des cailloux, j'avais peur de me rentrer dedans, je l'admets. Si j'avais su que ça avait été aussi plat par là, je serais allé plus loin. C'est un effleurement? Non, je crois pas. Chondrite bronzite. Oh merde. Voilà, ça c'est le truc moisi en fait par excellence, je crois. Cargo scoop deployed. Hop. Ok. Il y a d'autres choses dans le coin, on va y aller. On peut pas ne pas trouver un seul arsenic. Pas possible. Ok, c'est par là. Je veux bien l'admettre. Jamais été aussi proche. Hein. Il va falloir qu'on fasse attention à ce qu'il y a à gauche. Un drôle de bruit. T'inquiète pas, je t'entends. Chondrite bronzite, putain. Et merde. Non, j'en veux pas. Je vais le casser, mais j'en veux pas. Ah. Excusez-moi. Chrome. Je vais juste prendre le chrome alors. Ah, je vais tout prendre. Hop, manganèse. Hop, voilà. Par là, il y a quelque chose de particulier. Ça fait brr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 
Fais-moi le plaisir de viser ce machin. Allez, hop. La manganèse. Manganèse, chrome. À droite. Manganèse et zirconium. Ah bah putain. Avec ça, on n'est pas rendu. Hop, on y retourne. J'ai l'impression de passer l'aspirateur avec ce truc là en fait. Avec un peu de chance, je peux peut-être avoir les deux là. Eh ben non. Si c'est bon, peut-être. Si c'est bon. Ok, parfait. Alors moi, il y a encore autre chose par là-bas. Donc par là qu'on va. Ok. Deux en fait encore. On allait par là. J'ai envie d'aller voir ce que c'est que ce truc là. J'ai envie d'aller voir ce que c'est. Fait un wou. Je sais pas ce que c'est. Mais ça a l'air sympa. Il y a encore un truc qui vole devant, hein. Ça refait un bruit classique là, c'est dommage. Je le sens mal. Je sens le bronchite machin là. Bronzite machin. Je dis bronchite, mais. Vous voyez ce que je veux dire. Ah non. Ça fait wouh. 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 Dis-moi que t'es pas loin. Oh, j'ai vu un truc qui brillait là-haut. Au-dessus de ce caillou là, j'ai vu un truc qui brillait. C'est pas ce que je cherchais. Beryllium, or. C'est pas ce que je recherchais. C'est pas ce que je recherchais. Je repars par là. C'est absolument pas ce que je recherchais. Plus sur la gauche même, je dirais. Là, par là. Hop, c'est parti. Descendons dans le cratère, chers amis. Hop. Alors. Le volant, ça se fait quand même vachement bien. On devrait pas en être très très loin. Aïe, le caillou qui fait mal. Le caillou qui a fait atrocement mal. On est passé de 80 et quelques. À 68%. Hein. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Dire que c'est même pas censé être un matériau rare. Ouais, un autre effleurement. Carbone, soufre, m'intéresse pas. M'intéresse pas, je vais les prendre sur le principe. Il m'intéresse vraiment pas.
Hop, m'intéresse vraiment pas. Hein. C'est quoi qui fait ce bruit là? Réserve de carburant à 50%. Ouais, bah c'est bon. C'est proche. Quoi que ce soit, c'est proche. Il y a un drone. Il y a un drone. Il y a un drone là-bas. Vous voyez la lumière? Deux drones. Ok, je recule. Pas de soucis. Hop. Je repars à gauche. Par là, ça me semble très très bien. Bon, je sais plus dans quel sens fallait que j'aille, mais bon, j'imagine que c'est celui-là. Hop. Allons-y. Comment ça? Parti dans la même direction. Y a pas de raison de m'attaquer. Oh, j'ai le droit de visiter le cratère. On se calme. Surtout s'il y a des choses dedans. Ça m'intéresse, moi. Hop. Attendez, c'est pas le signal d'une... Attendez, c'est pas le signal d'un comment... D'un drone, ça? Non, je le verrai. Je le verrai si c'était un drone. Je le verrai sur la map. Enfin, j'espère. Ça commence à m'inquiéter cette histoire. Il a pas l'air de se déplacer, donc ça peut pas être un drone. Ah oui, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, non? Oui, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est ce qui m'intéresse pas. Mais non. Je voulais pas récupérer ça. Qu'il est con. Bon, c'est pas grave. Ah, je vais pas en trouver. Par là. Allez, on y va. Normalement, je suis censé trouver plein. C'est même pas un matériau trop rare. Allez. J'aurais dû en trouver, j'aurais dû. Honnêtement, j'aurais dû. Ah! Oh. Hop! Putain, je suis paumé. Je suis paumé. Ça doit être par là. C'est ça. Nous y voilà. Allez, maintenant, pas un affleurement. Enfin, pas un effleurement. S'il te plaît. What the... Mais j'avais un truc il y a 2 secondes. Ok. Ça a juste complètement disparu. Ok, je retrouve des traces à moi, ce qui ne me plaît pas. Autant vous le dire. Et bon, apparemment par là, il y a quelque chose que j'aurais pas pris, donc ça m'étonne. Ok, ça me semble être intéressant. Oh,
le caillou de la mort. Ah. Oh. Non, tu m'intéresses pas. Hop. Là, ça, ce sont des... Comment ça s'appelle? Des... Hop, ah merde. Ah. Je vais aller par là, on verra bien. Ouais, bah on va aller par là, alors. On va aller par là. Qu'est-ce que je te dise? Ou tu ne veux pas que j'aille ailleurs? Ok, on va dans cette direction. Je suis plié au plancher, chers amis, hein, je précise. Peut-être même aller encore plus vite si je voulais. Dégâts. Non, ça va. Caillou droit devant. Hop les. Hop. Petit coup de drift pour faire le demi-tour, enfin pour esquiver le caillou. Ok. On n'a rien devant, hein, je précise. Vous avez remarqué, chers amis? Rien devant nous. Ah si, un petit écho. Non, même pas, c'était un bug radar. Comment douter que j'allais finir par m'en bouffer, hein? Comment douter? Ah, ça y est. Ça se réveille. Je suis curieux de voir si je vais trouver un truc. Dans le coin. Deux nouvelles cibles. Comment ça, nouvelle cible? Comment ça, nouvelle cible? Merde. Cargo scoop retracted. Ok, c'était très bizarre. Ça, ce sont des échos de... Voilà, moi je vais par là. À droite, c'est un drone, hein. On voit le tracé qui se fait bien. Je sens que je me retrouve avec un drone devant le nez. Et je le sens mal, à vrai dire. Ça devrait être dans le coin. Ok, le voilà, l'affleurement. Voilà, un affleurement rempli de nickel et de manganèse. Génial. Hop. Hop, voilà, bon bah si on ne trouve rien dans le prochain, parce que je vois qu'il y en a par là, je comprends plus. Ok, donc c'est bel et bien par là. Allez, on y croit, chers amis, on y croit. Voilà. Mésosidérite. Why not? Fer, nickel. Ça valait bien le coup d'ouvrir autre chose. Du fer et du nickel. Ok, merci. Ok. Et du fer. Rien d'autre dans le coin. Même très vite fait. Allez. Un petit dernier. Je veux y croire, chers amis. Je veux pas croire que ces informations soient fausses. Oh là. Hop. Allez, par là.
par là, exactement, plutôt par là, voilà. Allez, je veux y croire, chers amis, je veux y croire, je veux y croire. Allez. Sinon, bah tant pis, écoutez, hein. On y est, on y est, on y est. Ah ah ah, affleurement. Rien. Strictement rien. Et par là. C'est censé être par là. C'est le dernier qu'on fait, après on décolle. C'est dit. Si vous savez où trouver de l'arsenic, chers amis, et me dites pas abricot marché, s'il vous plaît, soyez sympa, me faites pas ça. Allez, t'es pas loin. Bon, alors si je m'y prends mal, dites-le moi, bien sûr. Hein. En attendant, je vais passer à un autre composant. Je pense qu'on fera les fameuses juste à côté. Il y a deux en plus, affleurement. Ok, rien d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Soufre, carbone, manganèse, chrome. D'accord, bah, rien d'intéressant. Ah, il y en a encore un tout petit par là. J'avais dit que c'est censé être le dernier, mais je veux y croire, chers amis. Allez, je veux y croire. Je veux y croire. Je veux y croire. Allez, fais péter. Aïe, oh! C'est là. Et c'est encore un affleurement. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai pas de chance? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Est-ce que je n'aurais pas dû entrer dans le cratère, peut-être? Je ne sais pas. Bon, bon, bon. Eh bien, écoutez, on va rappeler le vaisseau, chers amis. On va passer à un autre composant. Hop, on va passer à un autre composant. Hop. Parfait. Ok, on va attendre que le vaisseau vienne. Ce qui ne va pas être trop long. On va même passer en mode tourelle pour voir si on peut pas le voir venir. On sait qu'il est dans le coin. Le voilà. Hé hé. Trop la classe. Ok, on y va. C'est parti. Encore heureux, mon vaisseau est amical avec moi. Oula. Bon, moi je suis pas amical avec ma conduite. Ok, voilà. On peut même ranger le récupère de carburant. Hop, et on passe en full moteur, tant pis c'est pas grave. Hop. Ah, dérapage. Wow. Je rappelle que je suis au G27, c'est-à-dire que c'est un volant, chers amis. Hein. Hop. Nous y voilà. Hop. Parfait. Et normalement,
Transfert et cargaison. Équipement ménager. J'ai pris le truc le moins cher, je crois. Ok. Embarqué. Bon. Bon, c'est un échec. C'est un échec, chers amis. C'est vraiment dommage. Eh bien écoutez, on va se laisser là du coup pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner et rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas trop lire dans la barre de la chaîne. Côté moi, je vais regarder d'autres vidéos sur internet. Voir comment je peux trouver de l'arsenic. Et à nouveau, vous le montrer dans le prochain épisode, je l'espère en tout cas. Ou alors on passera tout simplement à un autre composant. Salut les gens !